finale aux Offices, en l'occurrence à Offiche. Boué passe à la mêlée. Alors, c'est ça, oui. Boué passe à la mêlée. Voilà, alors Dussès a dû passer à l'ouverture. Dussès a dû passer à l'ouverture côté Hoche. Lussan est sans doute passé à l'arrière et Offiche à l'aile. Et pendant ce temps, un coup franc sur l'introduction de la balle, sifflé par M. Méné. Et c'est un coup franc pour Hoche, vous savez, pour Toulon. Un coup franc, on ne peut pas le taper directement, ni le tenter. Alors, ce sont des chandelles que l'on fait pour créer au point de chute un embarras à l'adversaire. Si c'est saisi du ballon, c'est ce qu'a fait l'adversaire, en l'occurrence Hoche. C'est Sabadin qui a pris la balle. Un bon regroupement là autour de lui. On est un petit peu chahuté dans le pack de Hoche. C'est vrai qu'on ne progresse pas et on s'en détache avec toujours très volontaire le numéro 8, Escoffier. Pénalité. Vous remarquerez que malgré la concurrence de la télévision, le stade d'Hoche est très bien garni. C'est la preuve que malgré la télé, on peut remplir un stade en championnat si on se donne la peine. Il y a même des poulets du Gers dans l'embute, élevés en plein air sans doute. Grenoble, ici même au Moulias, il a passé une pénalité de 64 mètres, Thierry Dussès. Ça fait beaucoup ça, Pierre, hein? Oui. 64 mètres. Là, il n'a qu'à taper un coup de pied de 43 mètres, ce qui est déjà pas mal. Alors que son équipe est menée 0-3, il peut le faire. Oui, c'est nécessaire pour Hoche. Thierry Dussès, bien tapé. La balle va passer à droite des poteaux. Bonne touche de balle, la direction n'y était pas. Oui, mais c'est... Tu sais, à la mêlée, pour les besoins de la cause. Ah, mais dans le jeu Pérusin, champion de France junior en 88 avec le Football Club Occitan. Ouh là là. Oui, sous la pression. Ah, c'est virulent, mais c'est bien fait, c'est normal. Oui, j'ai l'impression qu'on a rendu la monnaie de la pièce. Alors ça, c'est plus que chaud tout ça. Ce n'était pas très sain depuis quelques minutes. Maintenant, ça disjoncte. Alors Monsieur Méné va avoir beaucoup de travail pour calmer les esprits. Alors, il va sortir le carton jaune. Il a trouvé, on joue rapidement là-bas avec Offiche, qui est devenu l'arrière de service. Ah, ça a été une bonne réception là, de la part des avants toulonnais, qui se sont fixés, qui perforent la défense occitane. Loupi. Allez, Loupi se retourne, offre la balle à ses équipiers. Là, c'est le mol parfait. Faut-il extraire la balle maintenant sous le commandement du demi de mêlée. Et la balle est sortie pour Hoche. Pujot, l'ancien 33 ans, il a joué avec Bertrand Aguirre-Bagnère, peut passer la balle. Oui, Loré tout seul sur l'aile. Il aurait dû lâcher la balle au sol, Loré. Il a été plaqué, mis au sol, il doit lâcher la balle, il a gardé la balle au sol, c'est une pénalité. Il aurait dû, c'est normal. Regardez. C'est normal. Voilà. Côté opposé. Le cadrage débordement de Pujot, qui fixe et qui donne, c'est un bon mouvement technique. Et Loré ici en position de débordement, il est pris, il aurait dû lâcher la balle, il la garde, c'est pas normal. Avec introduction justement pour Toulon. Encore 10 minutes à jouer dans cette première mi-temps, avantage à Toulon 3-0. Oui, l'avantage aussi de la mêlée à Toulon, ils la gardent dans leurs pieds, ils évoluent, mais la balle est en sortie. Je ne vois pas comment le numéro 6 pouvait être là. D'ailleurs, il y a une pénalité sifflée par... Monsieur Méné, et voilà, et une bonne panique ici, où tout le monde a dit non. Voilà, ça disjoncte. Alors ça va se terminer ça par une expulsion définitive. Calmez-moi tout ça. Calmez-moi voilà tout ça. Voilà comment bêtement un joueur et peut-être c'est deux pas facile, hein. Vont éliminer leur club sur une expulsion. Ils le savent, hein. Ils connaissent l'enjeu de ce match. Ils savent qu'une expulsion peut être préjudiciable au club dans sa course à la qualification et ils disjonctent quand même. Alors l'important de ça, est-ce qu'il va maintenir cette pénalité pour Toulon ou est-ce qu'il va revenir sur sa décision? C'est très important parce qu'on est à peine à 20 mètres des poteaux occitains et ils vont discuter entre Graou et Lopi, les deux capitaines toulonnais et occitains. Éric, ici à Hoche en plein Gers. Allez, on a changé de buteur du côté de Toulon. Patrice Tessier, c'est l'arrière de Toulon. Il n'a pas le public avec lui, hein. C'est le moins qu'on puisse dire.
Et la pénalité passe à côté des poteaux Citer. Toujours 3-0 par contre. Ils s'en sortent bien Roche. C'est pour Roche. On les voit organisés. Allez, ils essaient de progresser. Ils s'envoient. Ils progressent tout de même un petit peu, mais ils sont renvoyés d'où ils arrivaient. Et là, le jeu stagne, donc il faut extraire la balle. Oui, pour Ferruzin qui a repris sa place. À 15 contre 15, est-ce que c'est poussé par tout le public d'Auch dans les 22 mètres de Toulon? Il faut dire qu'un copier, c'est un molimeur à Auch. Ah oui. Ah oui. C'est un vétéran de cette équipe. Il s'est passé quelque chose là au sol. Il est issu des juniors du football club aussi. Regardez-le. Regardez-le, Escoffier, comment il s'arrache de ce pack toulonnais avec le rap. Il a 32 ans, Escoffier, il est plus près de la fin que du début. Mais quel courage. Escoffier qui est le spécialiste des 10 minutes de prison. Mais aujourd'hui, on m'a dit qu'il allait se tenir à carreau. Allez, Toulon, pour Toulon, là, l'introduction de la balle. La sortie aussi, d'ailleurs. Oh, les exceptions. Oui, réception, Sabadin. Et l'essai. Il va y avoir un essai. Non. Ils ont été. Avantage de la défense. Essai. Alors là, l'essai s'en vient accordé. Accordé. C'est l'arbitre, montre du doigt, justement. Accordé. L'essai de Sabadin, Pierre. Oui, oui. Dans l'embute toulonnais. Et c'est accordé à Sabatin par M. Monnet. Mais faut dire qu'il a fait une belle interception. On le voit ici. Il s'est accaparé de la balle. Il s'est par Dalcalarondo et Escoffier. Et il s'écroule dans l'embute de Toulon. Et il marque. Monsieur Monnet n'a pas hésité. Est-ce pour marquer cet essai à l'Ugès. Thierry Ducès. Ça arrangerait bien les papiers d'Auch qui réussissent la transformation. Et il la met encore, vous savez où? Eh bien à droite, tiens. Il faut qu'il vise le poteau gauche, voilà. Mais oui, il aurait dû s'en rendre compte depuis un moment, mon cher. Pour l'équipe de Toulon, léger avantage par conséquent au football club occitan. Peut-être l'occasion d'entendre quelques propos de mi-temps et puis nous ferons une pause publicitaire. Ouais, on va faire une pause publicitaire avec Paris parce qu'on n'entend rien et on se retrouve pour la deuxième mi-temps. Jacques Brunel, 5-3 pour Auch à la mi-temps. Vous avez été malchanceux, vous êtes bien sorti, courageux ces officiers encore. C'est un petit peu inespéré parce qu'on fait l'entame de match la pire qui soit. On a deux joueurs qui se blessent, dont Mias, notre lanceur en touche. On n'est pas bon en conquête. On se chamaille, on est pénalisé sans arrêt. Donc un début de match catastrophique et puis on revient bien petit à petit au courage. On gagne une mêlée importante, on vire en tête à la mi-temps, mais faut repartir 0-0 là et gagner la deuxième mi-temps. Alarcon formé à Toulon, passé à Béziers, de retour à Toulon. Allez, en attendant, c'est Chevert qui introduit la balle. Ouh, la mêlée terrible du côté d'Auch. Ils ont récupéré la balle sur l'introduction adverse. Ça aurait fait une sortie avec Auch. Déchaîné. Oui, oui. C'est Lucin qui est en position de demi-mêlée pour Auch. Voilà, Ducès. Son dégagement, c'est Seyre à la réception. Il va taper droit devant lui, il ne va pas s'embarrasser. C'est ce qu'il fait. Il va chercher à taper dans l'embute au Citer. Et il le fait, ce qui va nécessiter un renvoi aux 22 mètres. Alors que je vois vos poulets, là, vos poulets de graines dans l'embute au Citer. Ils sont calmes, ils sont disciplinés. Oui, mais enfin, ça je fait pense que c'est le syndicat d'initiative qui les a menés, non? Ce sera un coup de dagueng, ça ne m'étonnerait pas, ça. Il faut pas siffler Eric Chambon d'avoir le respect on des joueurs. On n'a pas le droit de siffler un joueur qui a tant donné au rugby et à l'équipe de Toulon et à l'équipe de France. Oui. Et qui mérite certainement un autre sort au moment où il est obligé de quitter le terrain sur blessure. Ah,
détourné dans son camp. Il n'ira pas. Pierre. Oui. Avec Eric Chambre qui va peut-être nous donner de ses nouvelles. Qu'est-ce qui se passe, Eric? Ouais, mais je sors d'une contraction au mollet à la cuisse. Sur une action en fond de touche, ça m'a fortement repris. Donc, je pense qu'il est plus sage de le sortir si jamais on a le bonheur de continuer. Effectivement, Eric, en première mi-temps, vous aviez des ballons, vous n'avez pas réussi à concrétiser, non? C'est vrai qu'on a fait une bonne première mi-temps où il y a de l'envie, quoi. Il y a un peu une deuxième mi-temps un peu difficile et pourtant on a le vent. Je crois qu'il faut réussir à jouer avec et ne pas tomber dans la bêtise parce que je crois que depuis le début, on fait quand même un beau jeu. Léon Lepuy est plaqué. Merci, Eric. Léon Lepuy est plaqué. La pénalité importante sur position d'enjeu des Occitans. Les Toulonnais viennent de hériter d'une pénalité à 23 mètres des poteaux occitans sur une position d'enjeu, mais l'arbitre de touche vient annoncer quelque chose encore à l'arbitre du match. Alors va-t-il confirmer la pénalité? Oui, il confirme la pénalité. Il est peut-être venu dire à l'arbitre qu'il avait vu la même chose que lui d'ailleurs. En tout cas, c'est pour Tesser, puisque c'est Patrice Tesser qui mène, sans avoir sifflé une position de hors-jeu des trois quarts au Citer. C'est très important, cette pénalité est très importante pour Toulon, pour l'issue du match. Il a l'air de l'avoir bien tapé. C'est le même bien qu'elle passe entre les poteaux. Elle passe et Patrice Tesser redonne l'avantage au Rugby Club Toulonnais à la 18e minute de cette deuxième mi-temps. Toulon 6, Hoche 5. Ils aiment les mêlées, les universitaires de Besagne. Méné est très vigilant. Il tire les gars, il les commande, il ordonne. Je dirais presque qu'il domine ce match. Ça, c'est pas de la tarte d'arbitrer un match comme ça. Et allez, on progresse avec le pacte de Toulon. On progresse. Et du hors-jeu dans l'air. Mais comme ils ont l'avantage du ballon, il laisse jouer Méné. Et il est sanctionné. Normal. C'est bien fait. C'est bien vu. Il a laissé l'avantage de la faute aux Toulonnais. Et comme ils n'ont plus tiré avantage, il a sanctionné. Il s'était mis à la faute des Occitans et ils se sont fait prendre. Parce que le demi de mêlée a le droit de suivre la balle, mais il n'a pas le droit de la dépasser. Ce que malheureusement, Pouroche a fait bouer. Et c'est face au poteau, maintenant, que Gérald Merceron va tenter ces deux pénalités. À la mi-temps de la deuxième mi-temps. Ça ferait mal, parce que 6-5, ça va. 9-5, c'est jouable, oui, mais... Les Toulonnais conduisent bien leur match, ici. Oui, j'ai peur que... psychologiquement, si il faisait la différence à ce moment-là, Merceron, et bien, c'est difficile pour Hoche de revenir. Gérald Merceron, le Charentais de Toulon. Et il a tapé très haut, et il a tapé entre passe. Les poteaux. Et ça passe. Voilà comment, l'espace de 2 minutes, l'équipe de Toulon est en train de prendre une option. Voilà, et on a assisté à revêt une importance capitale pour son club. Allez, à l'avantage de Toulon, il est dans le climat. Oh, qu'il est bon celui-là. Qu'il est bon, de Rougemont. Il pilier, vous rendez compte. Il maintenant. Ils sont plus qu'à 5 mètres de la ligne des Cédoches. Les Toulonnais. Et ils développent une attaque. Oh, que c'est bien joué. Quel magnifique essai. Ah, il fallait qu'il vienne. Il fallait qu'il vienne pour la beauté du match. Malheureusement, là, Hoche ne se remettra pas. Cet essai était formidable parce qu'il y a eu un beau gain de balle en touche, une bonne occasion donnée justement au pilier de Rougemont. Vous avez vu comment il s'est infiltré. Il a donné dans l'axe à Loupi, mis au sol, mêlée ouverte, libération rapide du ballon. Et c'est ça qui a permis justement aux trois quarts lancés de pouvoir venir dans l'embute au Citer. Ouais. Justifié. Ah, les Toulonnais sont maintenant de prendre une option. C'est Merceron. À peine si la balle a effleuré répond. Volayé, ainsi, cette balle est arrivée à Tesser. Voilà le bon jeu de Rougemont. Vous voyez, il va percer là quand même. Il le percer, là, il joue pilier, le jeune homme. Et là, il a donné dans l'axe Léon Loupi, mis au sol. La balle va être vite libérée. Et elle va ici passer à Merceron. Et de l'aigle, à peine s'il a effleuré la balle pour l'offrir justement à l'arrière Tesseir qui était venu. Personne ne pourra discuter la beauté de l'essai. Allez,
verseront pour la tentative de transformation. Alors que Toulon mène 14-5 à 8 minutes de la fin, la balle passe à droite. La transformation n'est pas réussie. À Toulon avait envoyé ici la grosse équipe pour ce match que les Toulonnais voulaient à tout prix gagner. Quand vous pensez que sur le banc de touche à Toulon aujourd'hui, il y avait Dassal Martini, Pujol, Alarcon, Melville. Match de Millas sans mettre à jouer. Ça a désorganisé complètement cette équipe-là. L'arrière est passé demi d'ouverture, le demi d'ouverture est passé demi de mêlée. On a fait rentrer Oufrich à l'arrière. Et voilà, c'était une toute autre équipe. Allez, le drop là. Mercuron, tranquille. Il le met entre les poteaux. Oui, quand ça veut rire. Et oui. Et il a signé là la supériorité du pack toulonnais. La dynamique de la victoire est côté Toulon. 36e minute de la deuxième mi-temps. Merceron ajuste le drop, et quel drop! Bravo Merceron, bravo Toulon, qui est en train maintenant de s'assurer sa victoire. Là, je vais vous dire qu'il y a une faute grave. L'arbitre a laissé passer ça. C'est étonnant, mais l'avantage est pour les Occitans. Et passe au pied, et cette pénalité, cette pénalité au centre des poteaux. Et une obstruction de Jobert sur Loré. Alors que je vois deux joueurs qui font Jésus là-bas, les bras en croix. Monsieur Méné devait accorder cet essai de pénalité, il l'a accordé car l'obstruction de Jobert est évidente. Loré allait à l'essai. Si Jobert ne l'avait pas retenu par le maillot. Et là, voyez l'image, là, regardez. On ne peut pas dire qu'il n'a pas été retenu. Loré, retenu par le maillot. Et c'est un essai de pénalité. Léo ! Et je vois le fils de Cruara, en compagnie de Jean-Claude Balator. Le fils de notre Bruno. Alors que Louvet a quitté le terrain. Transformation réussie. C'est la fin du match. C'est ce que fait de et mieux. Et c'est fini. C'est ce que fait de mieux, d'ailleurs. Monsieur Méné, parce que les esprits étaient en train de s'échauffer et que la messe était dite. C'est donc ici un événement. La victoire de Toulon sur Auch par 17 points à 12. Le football club occitan n'a pas pu prendre la revanche tant attendue. Alors que Léon Lopi, là, est tout près de Jean Béliou pour commencer cette victoire. Effectivement, Pierre, Léon Lopi, victoire de Toulon ici à Auch. Vous la vouliez terriblement, cette victoire. Oui, on la voulait d'une part de parler. Les mots qu'a dit l'entraîneur de Auch sur la ville de Toulon, c'est lamentable pour un entraîneur et je suis vraiment content d'avoir gagné ce match. Alors, en image, vous avez fait un grand pas vers les quarts de finale, Léon. Oui, c'est très bien et j'espère qu'on va continuer sur ce rythme-là. On va en parler presque, Lopi. Pour des raisons de sécurité, on va laisser Léon Lopi regagner maintenant les vestiaires. Eh bien, dites-moi, mon cher Pierre, ça me paraît tendu, hein, cette fin de rencontre-là. La sortie est un peu difficile, hein. Remarquez, voilà ce qui arrive quand il y a des supporters. Vaut mieux des sorties houleuses, mais qui restent dans la limite de la correction, que des sorties dans l'anonymat, parce qu'il n'y a personne dans le stade. On ne peut pas tout avoir, mon cher Jean. Effectivement. Cas, on va prendre une petite pause de publicité, puis on va se retrouver ici, peut-être. Exactement.